Dans Duo Tips, rencontre avec nos champions. Aujourd'hui, c'est JB Gonnet, joueur sur l'European Tour. Salut JB. Salut Lorraine. Bon alors JB, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau comme séance? Alors, sur le grand jeu, on va travailler le démarrage, takeaway, petit jeu, angle d'attaque. Ouais. Et putting, ça sera du contact. Ok, magnifique, on y va. Alors, le petit drill du grand jeu, le démarrage. Je viens me prendre une baguette, la coller contre mon grip. Voilà, on est à peu près comme ça. Alors, la faute des amateurs en général et de certains pros, moi, c'est un drill que j'ai beaucoup travaillé, c'est de faire ça. Donc, venir rouler les mains, éloigner les mains du corps avec une face ouverte. Donc, l'objectif, garder le contact avec le stick ici sur mon oblique gauche et ensuite, venir légèrement le garder dans le démarrage, un petit peu sur le haut de ma cuisse. Et là, on est sûr de faire le takeaway parfait. Bon, JB, après le démarrage, place au petit jeu avec... L'angle d'attaque. L'erreur majeure que je vois trop souvent, c'est de venir essayer de prendre une balle en remontant avec un corps qui va en arrière et un club qui remonte. Pour faire monter une balle au golf, il faut la prendre en descendant. Donc je viens placer une petite baguette 10 cm derrière ma balle. L'objectif étant de ne pas venir la toucher. Ouh, c'est bien chippé ça. Nice shot. Le putting, on va travailler le contact. La faute que je vois trop souvent, c'est celle-là. Un trop grand balancier en fin de swing. Le putting, on dit souvent qu'il faut faire rouler la balle, mais il faut quand même la taper, avoir un contact assez ferme. Donc l'exercice, je viens mettre deux tees au sol, ma balle au milieu des deux tees, et je viens faire un putt. Voilà, les deux tees vont me permettre d'avoir un contact relativement ferme, ce que je recherche. Bon, merci beaucoup JB pour ces trois exercices. Merci à toi Laurent, c'était un plaisir. Ça va super bien servir à nos licenciés.